Julie Gayet s'exprime sur sa relation avec François Hollande. L'actrice a toujours voulu préserver sa vie privée. Mais depuis la révélation de sa liaison avec François Hollande, en janvier 2014, elle a des difficultés à éviter les questions sur ce sujet. La compagne de l'ancien président de la République était invitée sur le plateau de Laurent Delahousse pour promouvoir la pièce de théâtre Rabbitole dans laquelle elle jouera dès le 17 janvier au Théâtre des Bouffes Parisiens à Paris. Le présentateur n'a pas pu s'empêcher d'évoquer son couple. Lui c'est lui et moi c'est moi. Une intrusion dans sa vie personnelle, je protégeais ma vie privée avant lui et j'ai toujours pensé que la vie privée, c'était derrière la porte. On partage les mêmes valeurs, beaucoup de choses, mais lui c'est lui et moi c'est moi, estime Julie Gayet. En septembre dernier, Julie Gayet et François Hollande ont accepté de poser à la une du magazine Paris Match. Celle qui a toujours refusé le statut de première dame a dévoilé pourquoi ils avaient décidé de poser officiellement devant les photographes. C'était pour répondre à des rumeurs de séparation. J'essaie de dire, oui, on est ensemble. Mais c'est compliqué parce que j'ai senti cette chose mais peut-être qu'ils ne sont pas ensemble à un moment donné. Non, on n'avait pas envie de se justifier, même d'expliquer, juste on a fait cette photo. Julie Gayet n'a cependant pas envie de se justifier dès qu'une rumeur de séparation circule dans la presse.